Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. CJ d'affiche de grandes ambitions. On en parle dans un instant avec son directeur général, Pascal Houillon. Au sommaire de cette émission également, ça bouge dans les banques à Lyon avec des changements à la tête de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et de la Société Générale, l'inauguration de Gaming Campus, la colère des salariés de Grange, un nouvel entrepôt pour grands frais avec Kremlog, et puis l'info flash info, c'est le nouveau comité scientifique du musée des tissus qui se met en place. Du changement dans les banques à Lyon, à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, tout d'abord, c'est Stéphanie Pay qui est appelée à prendre des fonctions de direction à Paris au sein du groupe BPCE, le holding des groupes Banque Populaire et Caisse d'épargne. Le 12 novembre, elle sera remplacée à Lyon par Alain Denisot au poste de président du directoire. Alain Denisot qui arrive des Hauts-de-France, dont il dirigeait la caisse née des fusions des caisses Picardie et Nord France Europe. Côté Société Générale, cette fois-ci, c'est Karim Idrissi qui prend la suite de Serge Brua à la tête de la délégation régionale Bourgogne-Auvergne-Rhône-Alpes. Âgé de 51 ans, Karim Idrissi se retrouve à la tête de 3000 collaborateurs, 265 agences, avec aussi un espace pro et deux centres d'affaires. C'est parti pour Gaming Campus dans le 7e arrondissement rue de Marseille, un centre de formation au métier des jeux vidéo avec une spécialité e-sport études. Explication avec Cécile Leclerc et Bertrand Frachon. Ce qu'on a créé aujourd'hui est unique. C'est une école de management dédiée à l'industrie du jeu vidéo et également une Gaming Academy. Donc c'est un e-sport études. Inauguration de Gaming Campus, le premier campus dédié aux jeux vidéo à Lyon. Installé dans le 7e arrondissement rue de Marseille, il accueillera pour la rentrée le 2 octobre une centaine d'étudiants. Les étudiants qui sont là pour un bachelor ou une licence, ils sont là pour se former aux différents métiers du business autour des e-sportifs, des joueurs. La partie où on forme des joueurs, c'est tout petit. Je me souviens plus du chiffre exact, mais je crois qu'on a 7 joueurs sur 105 étudiants. On va former des gens qui vont peut-être créer des sites web autour du gaming. On va former tout l'écosystème autour de l'e-sport. Il faut être avant tout passionné par le secteur du jeu vidéo, pas forcément un très bon joueur de jeux vidéo si on veut rentrer dans la Gaming Business School. Il faut avoir un très bon niveau académique, c'est-à-dire un très bon dossier scolaire, et puis après passer les entretiens de sélection. Et pour la partie Gaming Academy, qui forme les joueurs professionnels de jeux vidéo. Là, oui, il y a une sélection sportive, e-sportive à l'entrée. Et ce n'est pas un hasard si Gaming Campus a choisi Lyon pour s'installer. Aujourd'hui, le jeu vidéo, il faut comprendre que c'est un secteur qui pèse extrêmement lourd à l'échelle globale, mais pour lequel la métropole de Lyon a une part de marché importante. On représente près de 40% des loisirs numériques en France. Et surtout, nous avons une culture du jeu vidéo qui est extrêmement ancrée depuis des années et des décennies. Un tout nouveau centre logistique pour grands frais à Saint-Priest, construit par Kremlog, le prestataire logistique du groupe de distribution. Un investissement de quelque 20 millions d'euros pour une surface de 15 300 m2, 120 emplois déjà créés et 250 en 2021. Les salariés de Grange ne sont pas contents et le disent. Après le dépôt de bilan de l'entreprise de Saint-Symphorien-sur-Coise, le délai fixé par le tribunal de commerce de Lyon pour trouver un repreneur est très court, trop court même selon eux. Précision avec Cyril Théophilos et Bertrand Frachon. Grange, en fait, pour la petite histoire, est fabricant de meubles haut de gamme français depuis 1904. On est entreprise labellisée du patrimoine vivant. On exporte nos meubles à 80% à l'international, dans plus de 50 pays à travers 300 points de vente. C'est un fabricant historique de meubles qui est menacé de fermeture. Grange emploie 170 salariés, dont 70 sur le site de Saint-Symphorien-sur-Coise, mobilisé aujourd'hui à l'occasion de la visite de l'administrateur judiciaire. On est en redressement judiciaire jusqu'au 14 novembre, période d'observation d'à peine 2 mois, et avec une date butoir au 26 octobre pour trouver un repreneur. S'il y a des repreneurs qui se présentent, et on le souhaite qu'il y aura une reprise locale d'emploi et peut-être de la marque. Si rien, personne ne s'est présenté au 26 octobre, ça sera une liquidation judiciaire, donc une fermeture de l'entreprise. Aujourd'hui, les salariés pointent la stratégie de l'actionnaire américain. C'est une forme de ras-le-bol de toute une entreprise qui a été reprise il y a 3 ans par des Américains, avec des grandes promesses de nous relancer.
aucune de ces promesses n'ont été tenues. Ils nous ont pas amené une stratégie, ils nous ont pas amené commercialement des choses intéressantes. Et du coup, on a coulé. Le compte à rebours est aujourd'hui lancé pour trouver un repreneur. Et puis l'info flash info, c'est la mise en place du nouveau comité scientifique du musée des tissus. Rappelons que la région est devenue propriétaire de ce musée pour 50 millions d'euros. Et on retrouve à présent notre invité, Pascal Houillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Cegid depuis 18 mois. Vous avez pris la suite de Patrick Bertrand suite au rachat de l'entreprise. Quelle impression vous avez 18 mois après être arrivé à la tête de Cegid? Alors d'abord, c'était un honneur de pouvoir diriger l'un des fleurons de l'industrie du logiciel français. Cegid a une place très très forte. Hein. Je rappelle, Cegid fait des logiciels pour les experts comptables, mais aussi pour tous les professionnels de la comptabilité, de la paie, des tas de secteurs, voilà. Pour les gens du retail, sur lequel on est très très fort, on est l'un des leaders mondiaux. Donc c'est une entreprise avec des fondations très fortes, avec des points très forts, et je suis très content d'être ici. Voilà, créé par Jean-Michel Lelas. Jean-Michel Lelas, tout à fait, qui est toujours là. Qui est toujours là. Il est toujours président du conseil d'administration. Qui reste impliqué. Je le vois tous les mois. Il vient en clientèle parfois et il nous aide. Non, Jean-Michel était une personne très, très active et très impliquée. Ouais. Voilà, et puis vous-même, vous avez eu un parcours dans de grandes entreprises, notamment Sage, bien sûr. Vous avez été en poste aux États-Unis. Oui. Donc c'est un retour qui s'est fait il y a 18 mois. Motivé par l'intérêt du projet, c'est une très belle société, par aussi les actionnaires, les private equity qui ont repris cette activité, ont une vraie vision de développement de la société. C'est pourquoi j'ai fait le pas pour partir de Los Angeles à Lyon. On va rappeler, Cegid appartient à des fonds. Tout à fait. Donc, appartient à deux fonds, un qui s'appelle Alta One et l'autre qui s'appelle Sivolec. Sivolec, entre autres, est un fonds qui est très, très connu puisqu'il a repris beaucoup de sociétés de technologie. Il a repris Dell, il a investi dans Skype, par exemple, qu'il a revendu à Microsoft et il y a plein d'autres sociétés. Donc, c'est un investisseur qui est très sectorisé et c'est très très bien parce qu'on a des vraies discussions de développement de nos activités. C'est pas juste un investisseur financier. Voilà, on va rappeler la carte de visite de Cegid d'aujourd'hui, puis après on va parler des projets de développement avec le plan stratégique. Cegid d'aujourd'hui, c'est combien de personnes, quel chiffre d'affaires? Donc Cegid d'aujourd'hui, sur 2018, c'est à peu près 2500 personnes. C'est à peu donc près combien 4, ici à Lyon? À peu près 900 personnes à Lyon, 500 à Paris. On a des centres aussi à Roubaix, une société dont on a fait l'acquisition, vers Aix-en-Provence. Puis après, pas mal de personnes dans le monde. On a à peu près 300 personnes réparties dans différents pays dans le monde. Ça va normalement être 400 millions à la fin de l'année de chiffre d'affaires. Voilà, avec quelle rentabilité à peu près si on se place sur 2017, pas sur 2018. Alors effectivement, on a sorti la société de la bourse il y a un an, donc Cegid n'est plus coté. Et donc du coup, vous ne voulez pas nous dire. Et donc, pourquoi on a sorti la société de la bourse? Parce qu'on a une vision d'investissement qui est relativement importante, avec des paris qui sont très très ambitieux. Et quand on a des paris très ambitieux, ils ne vont pas tous à la même vitesse ou ils ne se réussissent pas de la même façon. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas forcément besoin d'être en bourse. On a tous les financements que l'on souhaite auprès de nos investisseurs. Et donc, c'est une société qui se développe. Vous ne voulez pas me parler de la rentabilité, alors? On génère une rentabilité qui s'améliore et qui s'améliore assez pour aller avoir des concours bancaires pour pouvoir aller faire des acquisitions. On a fait pas mal l'année dernière, on en a fait aussi cette année. Bon, alors on ne connaîtra pas le résultat. vous avez présenté donc au personnel d'abord il y a presque un an et puis récemment en juillet le plan stratégique de développement de l'entreprise. L'objectif, c'est tout simplement de doubler de taille d'ici 2021 à peu près. Exactement, c'est-à-dire la société a été rachetée il y a deux ans, elle faisait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une vision de passer d'un peu plus de 700 millions. Mais surtout de définir sur quel marché on voulait être leader, sur quel marché on voulait investir et comment on voulait investir. Donc on a défini typiquement que les experts comptables, c'était un marché stratégique, le marché de la petite entreprise. C'est le cœur de métier. Historiquement, c'était l'informatisation des cabinets comptables. Et ça reste une très très grosse partie de notre activité et c'est un marché qui est très très intéressant. On a le retail qui a une très grosse partie de notre activité maintenant, surtout depuis l'acquisition de Cylindre à la fin de l'année dernière. On a le marché de tout ce qui est paye et
talent management qui est très très fort pour nous et tout un marché sur les ERP pour les grandes entreprises la plupart du temps. Donc on a décidé d'investir sur ces différents marchés. Et puis des offres sectorielles aussi. Alors on a limité justement. La restauration avait été vendue il y a un petit moment avant que j'y arrive, mais on a essayé de limiter le nombre de secteurs que l'on adressait justement pour être très fort et très pertinent sur un nombre de secteurs limités et pouvoir investir fortement. Voilà, et donc l'idée c'est de grandir à la fois par croissance organique, mais aussi par croissance externe, par acquisition. Exactement, alors d'abord par croissance organique, parce qu'il faut montrer qu'on est capable de faire de la croissance organique, mais il faut montrer qu'on est capable de faire fonctionner nos projets d'investissement, et accélérer cette croissance en faisant des acquisitions à bon escient. Donc on a repris l'année dernière un ERP pour les grandes entreprises qui s'appelait Caliac, qui était... à Aurillac et à Clermont-Ferrand. À la fin de l'année, une société qui s'était scellant dans tout ce qui était retail. Juste avant, on avait racheté une petite société au Canada pour compléter nos offres de gestion des talents pour les grandes entreprises. Qui s'appelle ? Qui s'appelait Rita, mais qui n'est pas très connue en France. Et récemment, on a fait l'acquisition de Loop. Donc là, sur le marché des experts comptables et le marché des petites entreprises, Loop était une société qui avait été cofondée par un spécialiste du secteur qu'on connaissait déjà très bien et par KPMG. Donc, c'était un espèce de spin-off des activités de KPMG. Ils ont développé ce produit pendant quelques années, qui est une très belle technologie qui nous a intéressés. Et tout ça, ça veut dire des investissements de quel ordre à peu près En acquisition? Oui. Ouais, on ne communique pas sur le montant de nos acquisitions, mais en fait, il y a des acquisitions, tout le monde connaît les multiples, donc il suffit de regarder les chiffres d'affaires de ces sociétés-là. Typiquement, la dernière acquisition est vraiment une acquisition technologique, beaucoup moins que de part de marché. On a vraiment acheté une boîte à outils. Certes, il y a une solution dessus, parce qu'on veut investir sur cette boîte à outils pour faire des nouveaux produits et des nouveaux services. Voilà. Un mot sur le marché, la conjoncture dans vos créneaux, dans vos secteurs. Le début de l'année avait très très bien marché. L'économie était plutôt en pleine forme, fin 2019 et là, début 2018. C'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas ce qui doit nous arrêter, ça nous arrête que peu. C'est vrai qu'on a une modification législative et légale comme le GDPR qui est arrivé, tout ce qui est protection des data. Il y a eu en début d'année tout ce qui était la loi antifraude. Et puis, il y a maintenant le PAS, on est en plein dedans, donc prélèvement à la source, ça fait beaucoup parler. Alors justement, sur le prélèvement à la source, c'est une charge en plus pour les entreprises. Vous répercutez le coût supplémentaire directement à vos clients entreprises? Alors malheureusement, pas comme on aimerait, puisque c'est vrai que c'est un coût supplémentaire pour les entreprises, mais c'est un coût aussi supplémentaire pour Cegid, comme c'est un coût supplémentaire pour nos partenaires experts comptables. Ça arrive dans un temps qui est très très limité, puisque le mois de janvier, c'est dans très peu de temps. Et, globalement, ça se passe plutôt bien Il y a beaucoup, un besoin d'information qui est relativement fort, et contrairement aux autres modifications qui sont passées avant, ça ne concerne pas uniquement que le département de la paye ou le département de la comptabilité, c'est l'ensemble des salariés qui se posent des questions. Et ça crée beaucoup de trafic, beaucoup d'appels. Et donc, c'est vrai qu'on a nos standards qui sonnent beaucoup. Avec des indications sur les dernières fiches de paye de l'année pour faire une simulation? Pour faire des simulations, pour voir comment ça se passe, où est-ce que je vais trouver les taux, qu'est-ce qui se passe, moi je suis directeur d'entreprise, qu'est-ce qui se passe, comment je peux les trouver, c'est quoi mes responsabilités, qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup l'information est divulguée sur les taux qui sont appliqués à mes salariés. Donc on va savoir qu'un patron d'entreprise, il est pénalement responsable aujourd'hui et ils ne sont pas tous au courant des risques qu'ils courent. Très bien. Donc, il y a un petit peu de retard quand même. Merci beaucoup Pascal Houillon d'être venu dans Lyon Décideur. Bonne chance pour la suite du développement Cegid. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur.